Alors comment on peut agir pour replacer l'éthique et l'humain au cœur de la mondialisation? Ben déjà, prendre conscience, et c'est un peu l'objectif de ce sommet, réveiller les consciences, hein, que l'humanité, ça ne se repose que sur les hommes et sur les interactions et la relation qu'ils ont les uns avec les autres. Et donc de se dire que l'homme est important, qu'il n'y a d'entreprise que d'hommes en la matière, ça permet de changer un petit peu le paradigme qui consisterait à nous faire croire que l'entreprise n'a qu'une seule finalité, c'est l'économie. Et nous pensons au Centre des jeunes dirigeants, mais je sais qu'aussi à la Fondation Zermatt, on pense un peu comme au CJD, qu'il n'y a d'entreprise que d'hommes, et donc c'est l'homme qui est important, et c'est pour ça qu'il faut le replacer au cœur de la mondialisation. Alors le Centre des jeunes dirigeants est une association patronale créée en France en 1938, et qui milite depuis, hein, c'est vraiment des entrepreneurs militants, qui militent pour l'économie au service de l'homme, et plus largement désormais, au regard des enjeux planétaires et des ressources, sur l'économie au service de la vie. Donc il réunit en France 4000 entrepreneurs, 6000 à l'échelle de la planète, puisque nous sommes implantés dans 10 pays, et nous menons des actions en lien avec la mondialisation, autour du concept qui a été développé depuis une dizaine d'années maintenant, de la performance globale, c'est-à-dire comment on peut accompagner les entrepreneurs à développer dans leurs entreprises une autre forme de performance qu'uniquement une performance économique. Et donc d'aller les accompagner sur ce qui touche à la performance sociale, sociétale et environnementale. Ben, je pense que tous les indicateurs n'existent pas, donc il y a besoin de regarder et d'y réfléchir, ou en tout cas il y a besoin de les compiler ou de les condenser. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne sait mesurer la performance d'une entreprise que sur l'axe économique, c'est-à-dire par le bilan. Et donc tant qu'on ne sort pas de ce paradigme qui est de n'avoir qu'une vision économique de l'entreprise pour avoir d'autres visions complémentaires dans l'idée de la performance globale et donc de la globalisation, pour prendre en considération toutes les externalités, on n'aura qu'une vision partielle de la réalité de la performance de l'entreprise. Alors le Zermatt Summit, c'est quelque chose d'extrêmement important, auquel en tout cas au CJD on est très attaché. On est liés, on était là l'année dernière, on est encore là cette année, on est très content d'être partenaire avec eux. La nécessité, c'est réellement de continuer à réfléchir aux actions qu'on peut mener, à la responsabilité, à la place des entreprises dans la société, et à comment tous les acteurs de la société qui se préoccupent un peu de cette mondialisation et de la place de l'homme peuvent réfléchir et mener ensemble des actions qui pourront, en tout cas à notre niveau, comme le dit Edgar Morin sur le Colibri, faire que tout un chacun puisse mener là où il est sa pierre à l'édifice.